Salut les gens, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Et aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau format de vidéo, une petite série de vidéos dans laquelle je vais vous présenter des tours, des gimmicks que j'apprécie tout particulièrement et que je trouve très bons. Ce sont des tours ou gimmicks qui font partie de mon répertoire de magie que j'utilise au quotidien. Sachez que je modifie régulièrement mon répertoire de magie histoire de pas me lasser des tours que je pratique au quotidien. Pour vous donner un exemple, moi par exemple j'utilise toujours un petit portefeuille comme ceci que j'ai toujours sur moi et que j'emporte avec moi. Ça me permet de mettre à l'intérieur deux tours de petits paquets tout simplement. Et en fonction du tour que je veux faire de mon humeur ou de l'envie de magie que je veux réaliser, je vais modifier les tours, mais voilà, j'en prends jamais plus de deux, je pense que ça suffit largement. Et donc aujourd'hui je vais vous parler d'un tour de magie que j'utilise, mais que j'utilise pas vraiment comme un tour de magie. En fait je considère ça plutôt comme un tour d'entrée. Et je vais donc vous parler de Gambler, donc Gambler qui est en fait pour moi un test d'attention pour vos spectateurs. Tout simplement parce que quand vous allez accrocher pour la première fois vos spectateurs, des fois ils sont réticents, ils veulent pas réfléchir, ils se disent bon j'ai déjà vu des magiciens, ça m'intéresse pas. Alors que là finalement vous allez susciter leur intérêt, vous allez les faire partager tout simplement, ils vont croire qu'ils vont participer au tour et qu'ils vont jouer le jeu, hein, parce que c'est un petit quiz au final dans ce tour. Et vous les prenez à la fin à contre-pied et ça va vous permettre par la suite d'enchaîner sur un autre tour de magie pour justement avoir vraiment toute leur attention. Et avant de vous en parler, le mieux je pense c'est de vous faire une petite démo pour voir à quoi ressemble le tour en fait, tout simplement. Donc moi je le présente comme ceci, vous sortez en fait, c'est un test d'attention où je vais vous tester, voir si vous suivez bien ce que je suis en train de faire. Regardez bien, c'est un tour qui se fait vraiment avec que 4 cartes et c'est vraiment très sympa. Je vais vous présenter 4 cartes face vers vous et vous allez mémoriser les 4 cartes. Alors vraiment ça va être très rapide, juste un laps de temps. Attention, vous êtes prêts? Hop, c'est parti, on mémorise, hop, et c'est fini. Déjà terminé. Petite question, premier test, attention. Quelle était la carte, donc ici j'ai un œuf de cœur, quelle était la carte en dessous? Allez, on essaye, on se souvient. Bon, pour les plus attentifs d'entre vous, c'était très simple, c'était le 10 de trèfle, on est d'accord. Mais en réalité, le test n'a pas vraiment commencé. Oui, la vraie question, c'est quelle était la couleur des dos des cartes? Ah, là on réfléchit, vous réfléchissez, oui, non, vous vous souvenez? Oui, bleu, hein, bleu. Et non, perdu, c'est rouge. Là, premier petit effet. Et vous vous souvenez, certains ont trouvé que la carte que j'avais demandé au début, c'était le 10 de trèfle. En même temps, c'est très simple, quand on a un carré de 10 dans les mains, c'est sûr qu'on ne peut pas se tromper. Voilà, ça c'est le petit effet de Gambler, donc c'est un petit test d'attention où finalement à la fin le spectateur a tout faux puisque finalement on a changé les cartes, la couleur des cartes et la valeur des cartes. Donc voilà, c'est très sympa à faire, c'est très, très flash, très rapide à réaliser et c'est franchement automatique, je vous en dis plus tout de suite. Alors Gambler, qu'est-ce que c'est? Alors Gambler c'est tout simplement un set de cartes entièrement truqué qui va vous permettre justement de réaliser un effet de transformation de 4 cartes. Donc de changer la valeur des 4 cartes et en même temps la couleur des dos. Donc vraiment de façon totalement automatique, très simple à réaliser. Vraiment j'insiste là-dessus, n'importe qui peut réussir à le faire. Il y a zéro manipulation. Alors il ne faut pas se limiter uniquement sur le set qui va vous être fourni dans la petite pochette. En fait ce qu'il va y avoir dedans, c'est aussi l'explication vidéo qui justement va vous permettre de réaliser vos propres sets de cartes. Et donc par exemple, utiliser des cartes à face blanche pour les imprimer, donc réaliser un autre effet finalement que le test d'attention. Mais également, tout simplement, utiliser d'autres cartes, vos cartes à vous, vos cartes préférées. Et voilà, et avoir même plusieurs sets avec plusieurs valeurs différentes pour faire le tour à plusieurs spectateurs et ne pas avoir toujours les mêmes cartes. Comme je l'ai dit, moi je trouve que c'est vraiment un tour qui va vous permettre vraiment de faire un tour d'entrée qui peut au début susciter l'attention de vos spectateurs. Bien entendu, vous pouvez l'utiliser autrement en fonction de votre style de magie. Mais vraiment, moi je trouve ça vraiment sympa justement pour attirer l'attention et ensuite enchaîner. Le spectateur forcément vous écoutera mieux et il va pas vous comparer à son cousin qui lui a fait un tour de carte ou lui dit choisis une carte et je vais la retrouver. Voilà. Quand vous aurez fait peut-être un tour de ce style en entrée, forcément vous allez montrer que vous savez ce que vous faites, que vous êtes un bon magicien et du coup vos prochains tours, il vous écoutera forcément. Au niveau de la difficulté, je le répète, c'est totalement automatique. Il suffit de savoir faire un éventail des doigts comme ceci, il n'y a rien d'autre à faire. Ça marche tout seul, c'est incroyable, même quand on l'a pour la première fois en main. On se fait le tour à soi-même tellement c'est simple d'utilisation, ça marche tout seul, c'est vraiment un truc de fou. Donc voilà, c'est solide, ça cassera pas hein, et ça s'usera avec l'usure de vos cartes tout simplement. Et de toute façon, vous serez capable de réaliser d'autres sets de cartes. Donc finalement, en achetant le tour, vous l'avez à vie hein, tout simplement. Donc voilà, c'est un très bon produit. Hein. Moi, ça vaut, je crois, entre 10 et 12 euros. Et franchement, pour ce prix-là, il ne faut pas se priver.
ça vaut vraiment le coup. Donc voilà, pour les intéressés, comme d'habitude, je vous mets le lien du produit dans la description. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ces vidéos dans les commentaires et de me laisser le gros pouce bleu en plus si ça vous a plu. Dites-moi si vous voulez que je continue à vous montrer un peu les tours que j'utilise, que j'ai sur moi, que j'adore et que j'ai dans mon répertoire de magie. Dans tous les cas, je vous remercie d'être de plus en plus nombreux chaque jour sur la chaîne, de me suivre sur les réseaux sociaux tels que Facebook, Snapchat, Instagram. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine pour un tout nouveau tour de magie expliqué. Ciao tout le monde! Imaginons, donc avec le roi et le 5, on va essayer de les inverser, d'échanger leur place. Alors regardez, il suffit de passer la main comme ça et boum, en passant la main, on a la place maintenant le 5.